Yo la famille, comment vous allez? C'est votre homme, c'est Victor Eritor. J'espère que vous allez très 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 bien. Très bien même. Bon, en tout cas, Alhamdoulilah, ça va, Dieu fait grâce. Dieu fait vraiment grâce. Je serai très bref et très court dans cette vidéo. Voilà. J'ai bien envie de réagir rapidement sur les spectacles de Didier Arafat et de Bordeaux qui se sont tenus en France, au VRP à Paris pour des Bordeaux. On revient juste après le générique. Tu sais, tout dépend de toi. Tu n'as qu'à le dire et je serai là. Voilà, nous sommes là. Donc, comme je disais en début de vidéo, j'ai bien envie de parler rapidement, brièvement, de ces spectacles de ces deux artistes. Moi, je les ai trouvés trop silencieux, franchement. Même Didier Arafat et Didier Arafat, il n'y avait rien sur son Instagram, il n'y avait rien sur son Facebook, même pas des images. Cela veut dire quoi? Ils ont tapé poteau? Je ne sais pas, je ne confirme pas, mais je me pose des questions, quoi. Je ne sais pas si vous avez remarqué comme ça aussi avec moi. Moi, j'étais là, branché, hein, branché sur les deux pages. J'ai dit, ah, je sens que ces artistes vont faire mouche ce 3 mars-là. Mais malheureusement, rien. J'ose croire que tout s'est bien passé. Parce qu'on sait que des Bordeaux, désormais, c'est le silence et le travail. Mais Didier Arafat, au moins, on sait que c'est le mec, quand lui casse un coin, il se presse très tôt de balancer ça soit sur son Instagram, soit sur son Snap ou sur son Facebook. Comme quoi, indirect. Mais rien. Bon. J'espère que tout s'est bien passé. J'espère que vous n'avez pas tapé poteau. Parce que si vous avez tapé poteau, forcément, il y a des personnes qui étaient au spectacle qui vont publier les vidéos là. Voilà. Moi, je sais que vous êtes des dinosaures du coupé décalé. Vous tapez rarement poteau. Donc, je suis impatient de voir ces trucs, ces images là de vos prestations. Voilà. Du côté de la Suisse, attendez-vous à Desbordeaux ce 8 mars. Voilà. Chef fan de Bordeaux, attendez-vous à lui ce 8 mars. Au Golden Club, ça sera le feu, le feu, le feu et vraiment vraiment le feu. Donc fan de Bordeaux, démontrer que lui, même si lui il est silencieux, nous on est prêt pour lui, on est prêt à faire des vidéos pour lui, on est prêt à le soutenir, à partager sa musique, en tout cas à aller à ses spectacles. Donc je vous demande de ne pas manquer ce rendez-vous là. Voilà, c'est un petit rendez-vous, vous devez faire ça rapidement, même vite vite, vous rentrez sur le coin tranquille. Voilà. Et soutenez vos artistes, ils en ont vraiment besoin. Voilà. Du côté aussi de la même Suisse, il y a Didier Arafat qui se produit au Moulin Rouge. Oui, au Moulin Rouge, ses fans sont déjà en train de s'apprêter. Tout se passe bien, mais je vous invite aussi à vous déplacer. C'est la musique ivoirienne qui gagne. Voilà. Pour ceux que ça dérange que je parle de tous les artistes, surtout, surtout de Didier Arafat, vous pouvez ne plus me suivre, ça va vraiment pas me gêner. Et puis je vais vous comprendre, je vous en veux pas. Mais en tout cas, moi je suis pour la musique ivoirienne. Je suis fan des Bordeaux, je vais toujours le dire. Mais n'empêche que il faut soutenir l'art quand il faut soutenir. Donc rendez-vous 8 mars, Golden Club, 8 mars, Moulin Rouge. C'était irritant pour vous servir. Et emmenez-nous vite les images là, de vos shows là. Des Bordeaux, toi tu étais à Paris. Toi tu étais à Paris. Didier Arafat au VRP. Mais bon, j'ai encore rien vu. J'ose croire que les images vont courir la toile dans les jours qui suivent. C'était votre MCVT Eritor. Continuez de vous abonner, partagez mes vidéos et rendez-vous ce soir.